Allez, ici, d'accord. Premier exercice, on va commencer tout de suite, d'accord, par quelque chose que j'aime beaucoup. On va commencer tout de suite ici par travailler en garde inverse. Eric, tu vas, voilà, tout de suite, il va travailler en garde inverse. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien travailler, d'accord. La garde régulière, on la connaît, on la travaille souvent. On va commencer tout de suite ici en garde inverse. Là, tout le monde, d'accord, on a l'habitude de partir sur un Kizanitsuki quand il est en garde régulière. Ça veut dire que tout le monde vous dit, je vais partir ici, bras avant sur une garde régulière. D'accord ? Sauf que là, on va changer. Vous pouvez aussi partir Kizami sur une garde inversée. Ok ? Donc là, ici, là, pour l'instant, tu ne bouges pas. On va simplement essayer de décaler très légèrement. On va décaler un petit peu pour passer Kizami ici sur le côté. D'accord ? Ici, on va décaler légèrement Kizami sur le côté. D'accord ? En karaté, hein, ça marche très bien maintenant. C'est les techniques les plus utilisées, le Kizanitsuki. Donc là, ici, c'est pas tout. On va faire notre Kizanitsuki bras avant en garde inversée. Là, boum. Sauf qu'après, lui, il n'est pas manchot, d'accord. C'est-à-dire que là, si j'ai fait ça, les arbitres, peut-être, ils ne l'ont pas donné, c'est pas fini. Lui, il va réagir. Il va m'en mettre une si je suis resté dans la distance. D'accord. Parce qu'en situation réelle, lui, il reste pas comme ça. Sauf si, bien sûr, ça a été super, ça va trop vite, les arbitres, ils ont donné. Donc là, je vous montre doucement. Je vais aller faire mon Kizami ici. Je touche, les arbitres, ils n'ont pas payé. Et je vais sortir en Mawashigiri au corps. Je vous montre au ralenti, c'est-à-dire, en fait, vous allez prendre un appui, ici, bam, tout de suite, hop, je décale, boum, Mawashigiri au corps. Mon pied ici, quand il arrive sur le Kizanitsuki, quand mon pied il arrive ici, boum, il va tout de suite se rejeter à l'extérieur et l'autre, elle va monter. En fait, je ne m'écrase pas au sol, et ça, c'est très important. Pour toute votre carrière de compétiteur, tous vos combats, il ne faut jamais s'écraser. On ne fait pas une technique, bam, mais on arrive ici avec tout le poids. Il faut toujours être prêt à la suite. Donc les pieds doivent être en pointe de pied et dynamique. Donc là ici, je vais aller piquer. Attention, très important, si on est en garde inverse, vous ne pouvez pas aller tout droit. Si vous allez tout droit, ça donne ça. Et j'arrive ici dans son genou, ça ne marche pas. Si vous voulez faire un Kizami en garde inverse, avant même de démarrer, sans que lui le voie, vous devez très légèrement décaler ici pour passer sur le côté. D'accord. Ça doit être presque invisible, d'accord. Mais vous devez passer sur le côté légèrement. Et pas un gros truc comme ça, hein, sinon c'est aussi cramé, d'accord. Donc là ici, on va passer, bam, mais je contrôle ici. Là, Eric, il fait diapo au visage, je sors, Mawashigiri au corps en dessous. Je pique, je sors en dessous. Ok, donc Kizanitsuki en garde inversée, suivi d'un Mawashigiri au corps. D'accord, en karaté de compétition, hein, ça marche très très bien, la garde inversée, mais on ne s'arrête pas après une seule technique. Donc là, ici, un, et deux. Ok, ici un petit peu plus vite. Bien. Ok, pour tout le monde, allez, vous essayez ça, vous allez le faire trois fois, vous restez jambe gauche, vous faites trois fois l'un, trois fois l'autre, trois fois l'autre, trois fois l'autre, quand je vous dirai, on passera en garde droite. Ok, on passera jambe droite, pour l'instant, vous restez jambe gauche. Essayez de faire avec des partenaires de club que vous n'avez pas l'habitude. Donc, t'as qu'à dire, os, merci. C'est parti.